Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7h. Le journal Yaya Konaté. À la une de l'actualité de ce lundi 29 mai 2023, jour d'examen pour 26 000 candidats au certificat d'aptitude professionnelle. Les épreuves du CAP démarrent ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Le coup d'envoi, c'est tout à l'heure à l'Institut Sonia Liber de Sogonico. Il sera donné par le ministre de l'Éducation nationale. Une démarche qui jette le discrédit sur l'institution militaire et porte atteinte à la présomption d'innocence. Réaction du gouvernement du Mali suite aux sanctions annoncées par les États-Unis contre deux officiers des forces armées maliennes. Sanctions relatives à la publication du rapport onusien sur Moura. L'actualité hors de nos frontières, le retour à Dakar d'Ousmane Sonko. Ses partisans le disaient porté disparu hier. L'opposant a en effet été interpellé dans le sud du pays et ramené dans la capitale. Le ministre de l'Intérieur a notamment invoqué les heurts avec les forces de l'ordre au cours de sa marche de la liberté. Une page se tourne au Nigeria. Muhammadu Buhari cède son fauteuil à Bola Ahmed Tinubu. Le nouveau président nigérian prête serment aujourd'hui à 71 ans. Celui qui avait été surnommé le faiseur de roi du fait de son immense influence politique accède à son tour au trône. Le grand format du lundi, c'est l'un des plus vieux quartiers de la capitale malienne. La création de Manyambougou en commune 6 du district de Bamako remonte à l'époque coloniale. Pas grand-chose ne reste cependant aujourd'hui de ce qui a fait l'identité et la renommée de ce quartier dans le temps. Et puis les sports, les prolongations pour la saison sportive, elle se poursuivra jusqu'au 15 juillet sur le terrain. La 20e journée du championnat national a pris fin hier. L'actualité des sports, c'est également la Coupe CAF avec la victoire hier de l'USM d'Alger en finale de la compétition. Les Algériens se sont imposés aux Tanzaniens de Young Africans 2-1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Place à présent donc au certificat d'aptitude professionnelle. Après le diplôme d'études fondamentales DEF, les épreuves du CAP démarrent ce matin sur toute l'étendue du territoire national. 26 244 candidats tentent cette année de décrocher ce diplôme de l'enseignement professionnel. Ils sont répartis, les candidats, entre 81 centres à travers le pays. Le ministre de l'Éducation nationale, Mme Sidibé Dédé Ousmane, procédera tout à l'heure au lancement des épreuves. Ce sera à l'Institut de formation professionnelle Sonia Alibert de Sogonico, c'est en commune 6 du district de Bamako. Une démarche qui jette le discrédit sur l'institution militaire et porte atteinte à la présomption d'innocence. Réaction du gouvernement du Mali suite aux sanctions annoncées par les États-Unis contre deux officiers des forces armées maliennes suite au rapport de l'ONU sur Moura. La réaction des autorités maliennes de transition est contenue dans un communiqué, lui ici par Cheikh Omar Sangaré. Le gouvernement de la transition a pris avec stupéfaction la décision unilatérale du gouvernement des États-Unis d'Amérique le 25 mai 2023 d'imposer des restrictions de visa à l'encontre de deux vaillants officiers de l'armée malienne pour des actes présumés sur l'unique fondement du rapport des Nations Unies sur les événements de Moura sans attendre la conclusion des enquêtes judiciaires menées par les autorités maliennes. Dans son communiqué numéro 052 du 13 mai 2023, le gouvernement de la transition a contesté les rapports biaisés tant sur l'approche que son contenu et a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits pour actes criminels. Au-delà de la mesure elle-même, sans fondement et injuste, le message que le gouvernement des États-Unis d'Amérique véhicule ainsi que la forme publique de son annonce porte atteinte à la présomption d'innocence des intéressés et jette le discrédit sur l'ensemble de l'institution militaire. Cette situation s'ajoute à celle créée quelques jours auparavant, le 22 mai 2023, par l'accusation formulée par le porte-parole du département d'État américain lors d'un point de presse et relative à un prétendu rôle que le Mali aurait joué pour faciliter la fourniture d'armes dans le cadre d'une crise pour laquelle le Mali a observé la stricte neutralité lorsque les aspects substantiels étaient examinés.
En réaction à cette accusation du département d'État, le 25 mai 2023, quelques heures avant l'annonce des sanctions contre les deux officiers maliens, dans une démarche constructive, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a convié l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Mali pour lui signifier, entre autres, l'extrême gravité des fausses accusations portées contre la République du Mali. En plus de la nature infondée des allégations, le gouvernement de la transition dénonce leur légèreté confirmée par les porte-parole du département d'État américain. À titre de rappel, ce dernier a avoué lui-même que, à date, nous n'avons aucune indication que ces acquisitions aient été finalisées ou réalisées. À travers cette attitude des États-Unis d'Amérique, précédée de leur refus de livrer en 2021 un avion de l'armée de l'air malienne, le CASA, le gouvernement de la transition est contrarié par ces actions qui impactent négativement la coopération bilatérale à un moment où le Mali lutte obstinément contre la junte française promotrice du terrorisme dans le Sahel. Saisissant cette occasion, le gouvernement du Mali rejette avec force l'instrumentalisation et la politisation des droits de l'homme pour des visées géopolitiques et dénonce la politique des deux poids, deux mesures. À ce sujet, le gouvernement de la transition rappelle au gouvernement des États-Unis d'Amérique son silence troublant suite au bombardement par la France le 3 janvier 2021 des paisibles citoyens maliens qui célébraient un mariage à Bounti malgré que la responsabilité de la France ait été établie par la MINUSMA. Face à la complexité de la crise sécuritaire au Mali et dans la région, les mesures unilatérales inconsidérées sont contre-productives, voire dangereuses et ne feront que renforcer les groupes terroristes et les forces obscurantistes qui se sont renforcées depuis l'intervention militaire en Libye et contre lesquelles se battent nos vaillantes femmes. Le gouvernement de la transition lance un appel au gouvernement des États-Unis d'Amérique pour l'arrêt de la campagne de désinformation contre le Mali et l'invite à respecter les trois principes définis par son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et qui guide l'action publique au Mali, à savoir 1. Le respect de la souveraineté malienne, 2. Le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, 3. La prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Le gouvernement de la transition rassure l'opinion nationale qu'aucune manœuvre ne saurait le pousser à adopter une position partisane sur fond de tensions géopolitiques ni compromettre l'œuvre de la refondation en cours au Mali ainsi que la montée en puissance des FAMA. Enfin, le Mali réitère son engagement pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre du dialogue et du respect mutuel. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. 7h08 dans la capitale de Balanzan, une retraite à Ségou pour les membres de la Commission Défense, Sécurité et Protection Civile du CNT. Ils renforcent leur capacité sur la réforme du secteur de la sécurité. La rencontre est organisée par l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique en partenariat avec la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Ségou, Kandesila. Cette retraite de 3 jours de la Commission Défense, Sécurité et Protection Civile du CNT, élargie à des acteurs étatiques spécialisés, vise à mener des réflexions sur la réforme du secteur de la sécurité, désarmement, démobilisation et réinsertion. À travers cette initiative, l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, Arga Mali, entend en partenariat avec la MINUSMA soutenir les actions de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre pour une paix durable au Mali. Isaac Dakono, coordinateur national Arga Mali. Nous notons qu'en dépit de l'abondance des dispositifs au plan institutionnel, les constats et les analyses révèlent un déficit d'appropriation et de coordination des processus de la RSS et du DDR au Mali. Aussi, dans le contexte actuel des menaces sécuritaires, la problématique de la circulation des armes est une préoccupation majeure de l'État malien. Djang Ndianga, directeur du réforme de la sécurité DDR de la MINUSMA. Ce séminaire donc s'inscrit dans l'engagement de la MINUSMA à soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix. En effet, les processus RSS et DDR sont au cœur de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Les thématiques
abordées sont relatives, entre autres, à l'approche inclusive de la réforme du secteur de la sécurité, enjeux, défis et perspectives, la problématique de la prolifération des armes laser de petit calibre, mais surtout le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité. Minkoro Kané, président de la Commission Défense, Sécurité et Protection Civile du Conseil National de Transition. Nous devons porter la bonne explication, la bonne compréhension aux populations. Si la population s'approprie ces différentes dispositions, ce qui est clair, la paix va revenir obligatoirement. Les autorités régionales de Ségou se réjouissent de cette initiative qui va permettre de faire un diagnostic non moins exhaustif de la réforme du secteur de la sécurité et faire des propositions d'action pour la paix au Mali. Ségou, Kandesila, Isaba pour l'heure. Parlons à présent de jeunesse et religion. Plus de 500 jeunes, toutes religions confondues, sont réunis à Benena. Nous sommes dans la région de Sang. La rencontre de trois jours s'inscrit dans le cadre du projet Antala et Nyongoye. Autrement dit, nous sommes obligés de cheminer ensemble, projet de la conférence épiscopale du Mali, au programme des conférences débat autour d'un thème central, la formation à l'économie familiale pour garantir la paix et le développement durable de Sang. Drissa Kone. Ils sont plus de 500 jeunes chrétiens, musulmans et pratiquants de la religion traditionnelle à prendre part à cette rencontre de Bénin. Le thème choisi cette année est « Jeunes, accepte de te former pour prendre ta place dans l'économie familiale pour garantir la paix et le développement durable dans ta communauté et de ton pays ». Chowa Constant Tira, fermier participant. Clairement, j'ai retenu pas mal de choses. Nous avons pu participer donc aux techniques de fumage. Nous avons également donc participé à une conférence sur les techniques d'élevage. Issa Traoré, coordinateur national du Conseil interreligieux pour la paix au Mali. L'activité là a un lien avec nous, nos objectifs. D'abord, le facteur interreligieux, la collaboration interreligieuse que nous souhaitons pour que les gens sachent que les religions ne sont pas des ennemis entre elles. On peut être de différentes religions et de travailler ensemble pour le développement du pays, de la communauté. Depuis plus de 10 ans, l'Église met tout en œuvre le long des frontières Mali-Burkina pour construire un réseau économique entre les communautés. Innovation cette année, l'activité a concerné les différentes confessions religieuses de cette commune. Jean de Dieu, chef du projet Antala Nyongoye de la Conférence épiscopale du Mali. Cela fait déjà plus d'une décennie que l'Église est engagée à la recherche de la paix sur la frontière. Suite à des événements malheureux qui ont eu lieu ici en 2006. Depuis lors, nous engageons les jeunes à se retrouver sur la frontière Mali-Burkina. Cela nous a permis d'apaiser les tensions et ça a permis aux jeunes de fraterniser. Cette rencontre de 3 jours a bénéficié de l'appui technique et financier des catholiques Relief Service. Sans Drissa Kone et Sedou Kamena pour le RTM. Il est 7h13, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Le Soudan, des tirs ont résonné hier à Khartoum au 6e jour d'un cessez-le-feu qui devait permettre l'acheminement de l'aide humanitaire mais qui n'a jamais été respecté par l'armée et par les paramilitaires. Les organisations humanitaires assurent n'avoir pu acheminer que de très faibles quantités de nourriture et de médicaments alors que 25 des 45 millions de Soudanais ont désormais besoin d'aide pour survivre selon l'ONU. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui ont négocié la trêve d'une semaine en cours ont réclamé sa prolongation au-delà de son expiration prévue ce lundi à 19h45 GMT. Au Darfour, une vaste région de l'ouest du pays, le gouverneur a appelé les civils à s'armer, faisant planer le spectre d'une guerre civile. Au Sénégal, c'est la fin de l'inquiétude pour les partisans d'Ousmane Sonko, l'opposant qui était porté disparu hier pendant plusieurs heures. Son parti l'avait alors déclaré introuvable. Les autorités ont fait savoir que l'opposant a été interpellé dans le sud du pays par les forces de l'ordre qui l'ont ramené à Dakar. Le ministre de l'Intérieur a invoqué des heurts entre partisans d'Ousmane Sonko et forces de l'ordre qui ont accompagné depuis vendredi le retour donc de l'opposant à Dakar par la route. Bola Ahmed Tinubu doit prêter serment ce lundi pour devenir le nouveau président du Nigeria. Âgé de 71 ans, le dirigeant d'ethnie Yoruba, originaire du sud-ouest du pays, est du même parti que le président sortant Muhammadu Buhari, cet ancien général de l'armée de 80 ans qui, un peu du nord donc, se retire après 2 mandats comme le prévoit la constitution. Surnommé le faiseur de roi ou le parrain du fait de son immense influence politique, M. Tinubu avait fait campagne en soulignant que c'était son tour de diriger la première économie du continent. Il avait mis en avant son expérience à la tête de Lagos, locomotive du Nigeria qu'il a gouverné de 1999 à 2007. Recep Tayyip Erdogan
Erdogan, confirmé hier pour 5 années supplémentaires à la tête de la Turquie, selon les résultats portant sur plus de 99,85% des bulletins, le chef de l'État a obtenu 52,16% des suffrages contre 47,84% au candidat social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, qui, à 74 ans, a perdu le pari de la démocratie apaisée qu'il promettait. La commission électorale turque a confirmé dans la soirée la victoire d'Erdogan, et publiera les résultats définitifs en début de semaine. De nombreuses personnalités politiques ont félicité le président turc pour sa victoire, saluant tantôt un allié au sein de l'OTAN, un partenaire stratégique ou économique, de Vladimir Poutine à Joe Biden, en passant par Volodymyr Zelensky ou Emmanuel Macron. Plusieurs chefs d'État ont donc adressé leurs félicitations à Recep Tayyip Erdogan à l'issue de ce second tour de la présidentielle. Un sommet international sur la crise du plastique se tient à partir de ce lundi 29 mai à Paris. Il est organisé par la France avec l'UNESCO. Près de 200 représentants de 175 pays se retrouvent dans la capitale française pour plancher sur un futur traité contre la pollution plastique, le premier du genre. Il s'agit de la deuxième session de négociations sur les 5 prévues au total par l'accord de principe scellé en 2022 à Nairobi par 175 pays. Donc, leur ambition, élaborer d'ici à la fin 2024 un texte juridiquement contraignant sous l'égide du programme des Nations Unies pour l'environnement. Après des débats techniques fin 2022 en Uruguay, l'étape de Paris doit permettre de dessiner les principales orientations, voire une première ébauche de texte. L'enjeu est en tout cas de taille, bien au-delà des symboles, car le plastique issu de la pétrochimie est partout, dans les emballages, les fibres de vêtements, le matériel de construction, les outils médicaux, pour ne citer que cela. Une dure bataille s'annonce cette semaine au Congrès américain qui va examiner l'accord sur la dette scellé durant le week-end par le président Joe Biden et le dirigeant républicain Kevin McCarthy pour éviter aux États-Unis un défaut de paiement cataclysmique. Les deux dirigeants ont mis la dernière main à cet accord de principe sur le relèvement du plafond de la dette américaine annoncé la veille après des négociations marathon et qui permet d'éloigner la menace d'un défaut de paiement à partir du 5 juin. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. 7h18 à Bamako, il revient au bercail avec le Carrosse d'Or 2023, une distinction à lui remise à Cannes pour une carrière de cinéaste bien remplie. Souleymane Cissé est de retour donc à Bamako. Il a été accueilli à l'aéroport international président Modibo Keïta Senou par le représentant du ministre en charge de la culture et le monde du cinéma malien. Le reportage de Ibrahim Kaoukonate. En marge de la 76e édition du Festival de Cannes en France, le grand cinéaste, réalisateur, notre compatriote Souleymane Cissé, a reçu le Carrosse d'Or 2023 à Cannes. Ce prix lui a été décerné par ses confrères pour la qualité et l'originalité de l'ensemble de ses œuvres. Souleymane Cissé, lauréat du Carrosse d'Or 2023. Je remercie vraiment Dieu pour m'avoir donné tout ce temps. Je remercie ma famille. Surtout ma mère qui a sacrifié sa vie pour moi. Je salue la présence de ma sœur qui ont tourné dans le film Oka, qui est la seule survivante aujourd'hui. Encore une fois, je remercie le Mali. C'est le Mali qui m'a donné ça et c'est le Mali qui me remet le drapeau. Je ne sais pas si la génération des cinéastes savent ce que ça veut dire, mais c'est une responsabilité très élevée. Donc, je confie à la jeunesse. Cette distinction du cinéma international obtenue par notre compatriote honore les cinéastes maliens et africains. Cheikh Oumar Sissoko, réalisateur. Mes impressions, elles sont bonnes pour le Mali, mais pour le Mali du passé, parce que nous avons semé le vent des œuvres inédites. Et nous ne faisons que récolter la tempête des Oscars, des honneurs. C'est cela qu'est en train de faire aujourd'hui Souleymane Cissé. Sur la base de ces œuvres inédites, depuis Demousseau jusqu'à Oka, les cinéastes professionnels au Festival de Cannes lui ont décerné le Carrosse d'Or. Le Mali doit s'en enorgueillir. Samba Cham, représentant du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Souleymane Cissé, qui est un grand cinéaste, qui n'est plus à présenter, qui a fait ses preuves depuis les années 80. Et le sacre de Souleymane Cissé au Festival de Cannes n'est qu'une suite logique des efforts entrepris et pour son combat pour le développement, la promotion du cinéma malien en particulier, du cinéma africain en général.
son combat est juste et noble. C'est la preuve aussi que le cinéma malien il se porte bien. Souleymane Cissé, réalisateur d'une quinzaine de films, dont Yélé, est le deuxième cinéaste africain à remporter le Carrosse d'or après Samben Ousmane du Sénégal. Le grand format du lundi à présent, il s'intéresse aujourd'hui à ce quartier de la capitale malienne appelé Manyambougou, situé en commune 6 du district de Bamako. Le quartier a été fondé à l'époque coloniale. Un Français du nom de Manier y détenait une briqueterie qui produisait également des carreaux, de la glace et des boissons. Une unité industrielle rétrocédée par la suite au gouvernement malien de l'époque, mais dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Le grand format du lundi, Bourama Traoré. Son chant n'a rien de particulier, encore moins d'anormal. Bien au contraire, il annonce le lever du soleil. Comme dans beaucoup de quartiers de la capitale, l'oiseau donne de la voix ce jour à Manyambougou en commune 6 de Bamako, un vieux quartier dont l'histoire n'est pas connue de tous les habitants, comme Fatoumata Traoré. À l'époque, une vieille femme habitait le quartier. On l'appelait Manya, le village de Manya. Les gens l'ont transformé en Manyambougou. La vieille dame habitait l'ancien village de Manyambougou. Cette version n'est pas partagée par Ousmane Sangaré. Il habite également les quartiers depuis des années. Bien qu'il ignore la date exacte de sa création, à l'en croire, Manyambougou serait fondé par un Français du nom de Manyan. Le nom Manyambougou vient d'une usine de fabrique de briques. Cette usine appartenait à un Français du nom de Manyan. À l'époque, les gens disaient « Je vais au village de Manya ». Et l'actuel quartier de Djandjigila est plus vieux que Manyambougou. Lui est certainement l'un des plus vieux de Manyambougou. Alou Diara y habite depuis 1952. Il y a donc 71 ans. Pour l'octogénaire, l'histoire de la création du quartier remonte à la période coloniale. Et son premier habitant serait un certain Tibri. Il y avait un certain Tibri qui traversait le fleuve pour se rendre à son champ du riz. C'est lui le premier habitant de Manyambougou. Quand Manyan est venu construire son usine, le site a pris son nom. Mais tout le site n'appartenait pas à Manyan. Manyambougou est considéré aujourd'hui comme l'un des quartiers les plus populaires de Bamako. Et l'évocation de son nom fait référence à une usine de briqueterie qui serait construite à l'époque par un Français. Ali Nyan est enseignant à la retraite. Manyambougou, en vérité, le nom c'est Manier. Monsieur Manier. M-A-N-I-E-R. Monsieur Manier est celui qui a créé, celui qui a fondé l'usine qu'on appelait la briqueterie de Manyambougou. C'est le propriétaire qui a fondé l'usine qui s'appelait Manier. Son nom Manier, là, les populations l'ont transformé en Manyan que nous connaissons. Nous avons le nom Manyan chez nous. Donc ils ont transformé Manier en Manyan. Alors le quartier a devenu Manyambougou, la maison, le village de Manyan, de Manier. Manyambougou doit son existence à Djandjigila et un autre quartier de la commune 6. Ce dernier, qui a été fondé par les Niaré, servait de site d'habitation pour les esclaves, selon l'enseignant. Le quartier de Djandjigila, qui avait été créé par les populations de Niaré, là. Djandjigi, c'est les gens qui s'habillent correctement et qui se promènent pour se montrer. Djandjigila, c'est donc les populations de Niaré là, qui avaient construit l'endroit pour leurs esclaves, devaient cultiver, entretenir leur rizière. Quand M. Manier, devenu Manyan, est venu s'installer, il est passé les voir et leur a demandé de leur donner de la place qu'il va construire avec ses ouvriers qui vont y habiter. Donc il a construit l'usine et on lui a donné une partie des terres qu'il a construite et voici comment le nom Manyambougou est venu. Mais la date précise de la fondation de Manyambougou reste méconnue. Toutes les sources évoquent donc la période coloniale, sans plus de détails. Seule certitude, plus rien ne reste de nos jours de l'usine de briqueterie. Je ne peux pas dire précisément c'est telle date, mais c'est quand même pendant la période coloniale, bien avant l'indépendance. Hein. C'est après que M. Manier a décidé de rentrer. Il s'est entendu avec le gouvernement qui a acheté l'endroit. C'était un Français, il est rentré en France. Au départ, l'usine faisait effectivement des briques, de la glace, des carreaux, des boissons. Quand l'usine a été achetée, donc, on a gardé seulement la briqueterie à Manyambougou. L'usine savonnerie a été transférée à Koulikoro. Après l'indépendance, ils ont vendu l'usine.
Alors maintenant, tout est fini, l'usine est complètement fermée. Ils ont loti l'endroit et ils ont tout vendu. Les gens ont tout construit, donc il n'y a plus rien. L'urbanisation a eu raison de se pendre l'histoire de la capitale des Trois Caïmans. Si à la création, les ouvriers de l'usine de briqueterie étaient seulement les habitants de Manyambougou, le quartier abrite aujourd'hui des centaines de familles. Secteur 25 minutes, l'heure des sports ce matin avec Fotigui Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Konaté, bonjour à tous. Du foot avec le championnat national de Ligue 1, la 20e journée a pris fin hier. Oui, avec notamment 4 rencontres au programme. Yéléon Olympique a perdu 2-1 contre les 11 créateurs de Nyerla. Binga FC a gagné 2-1 contre l'ASCO. L'AS Police a dominé 1-0 l'AS Bakardjan de Barawili. L'USC Kita a tenu en échec le Stade Malais de Bamako 0-0. Déjà samedi, l'AS Rail de Bamako, leader, s'est imposé 2-0 devant Afé. Son dauphin, le Djulba Assek, a disposé de l'US Bougouni 2-0 également. Les Sobe et Black Star de Badalabougou ont fait match nul début partout. L'USFAS et El Seba se sont tenus en échec 0-0. À retenir également, Fotigui, que la saison sportive 2022-2023 de la Fédération malienne de football ne s'arrêtera pas demain. Elle est prolongée jusqu'au 15 juillet 2023. Oui, l'annonce a été faite par la Fédération malienne de football à travers une lettre circulaire signée vendredi, ce 26 mai, et adressée aux secrétaires généraux de ces organisations membres. En effet, le comité exécutif, lors de sa réunion du 15 mai dernier, après analyse de l'état d'avancement des compétitions, a décidé de la prolongation de la saison sportive 2022-2023 jusqu'au 15 juillet prochain, alors que la clôture de la saison au Mali était prévue pour ce 30 mai. Pour plus de précisions sur les raisons de cette prolongation, je vous propose d'écouter le troisième vice-président de la Fédération malienne de football, Modibo Koulibaly, que nous avons joint au téléphone. Nous avons prolongé la saison parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour le moment, le championnat national est en cours. Et aussi, il y a le championnat de différentes ligues qui est en cours. Et d'après tous nos calculs, le championnat ne peut pas arriver à terme pendant la saison, d'autant que la saison normalement finit le 30 mai. Donc, nous sommes obligés en ce moment de prolonger la saison pour permettre à la fédération et aux ligues de terminer leurs compétitions respectives. En fait, la date limite d'envoi des équipes, vous parlez de la CAF, ça c'est des délais qui sont fixés par la CAF et donc que nous sommes tenus de respecter. Dans cette ordre d'idée, nous allons tout faire pour un peu compresser les délais du championnat national pour qu'on puisse quand même être dans les délais de communication des noms de nos représentants en Coupe d'Afrique, parce que nous avons déjà demandé que la CAF nous accorde quand même une dérogation, ce qui a été accepté, mais nous ferons tout pour respecter les nouveaux délais que la CAF vient de fixer pour la Fédération malienne de football jusqu'en fin juin. Bon, nous ne pouvons pas dire que nous sommes sûrs. En tout cas, notre rôle, c'est de tout faire pour le terminer avant cette date. Comme je vous l'ai dit, à l'impossible, il n'est tenu, mais nous allons tout faire, en tout cas, pour pouvoir être dans les délais. Maintenant, il y a beaucoup d'aléas, mais notre rôle, c'est de tout faire, en tout cas, pour terminer ce championnat qui a bien commencé et qui se déroule très bien. Donc, à partir de ce moment, nous allons mettre les bouchées doubles. Vous avez vu, les matchs sont programmés à une cadence extraordinaire. Nous savons que c'est très, très difficile pour les équipes et pour les joueurs. Si on arrive à un moment où c'est impossible de terminer le championnat, alors nous allons décider d'arrêter le championnat. C'est au comité exécutif de décider en ce moment. Les conséquences, c'est que le titre sera déclaré vacant. Et en ce moment, nous allons voir par rapport aux dispositions de nos textes et aux dispositions des textes de la CAF, quelles sont les équipes qui peuvent représenter le Mali en compétition africaine. En ce moment, nous allons décider. Et en bas des tableaux, au niveau de la montée et de la descente? Oui, tout ça, nous allons décider en réunion et en concertation également avec tous les acteurs du football. Voilà, Ya Konaté, une saison qui s'annonce quelque peu compliquée pour la Fédération malienne de football. Alors, autre décision prise, la date limite d'envoi du nom des équipes championnes des ligues régionales est repoussée au 15 juillet de l'année de rigueur. Le début de la phase fédérale du championnat de deuxième division pour l'accession en première division est fixé au 20 juin. La période de démission et transfert des joueurs est fixée du 20 juillet au 8 août prochain. Et on suivra bien évidemment Fotigui tout cela avec beaucoup d'attention. On passe à la Coupe CAF, un match aller de la finale jouée hier. Young Africans de Tanzanie a perdu 2-1 face à l'USM d'Alger. Oui, mauvaise opération de Young Africans de Tanzanie à domicile en finale aller de la Coupe CAF hier à Dar es Salaam. Notre compatriote Djigui Diarra et ses partenaires ont trébuché 2-1 devant l'USM d'Alger sous une pluie battante plus efficace. Les Algériens ouvrent les scores à la 32e minute de jeu par Eyman Mahius sur un coup franc de Brahimi Benzaza. Les Tanzaniens obtiennent l'égalisation à la 92e minute de jeu par les Congolais Fiston Kalala Mayele au terme d'un bel
l'enchaînement, contrôle et frappe en pivot du pied droit. La joie des Tanzaniens ne sera que de courte durée puisque l'USM reprend l'avantage au score seulement 2 minutes après grâce à l'Islam Merili sur un caviar décalé de Bousselio. Score final 2-1 pour l'USM d'Alger qui réalise ainsi un véritable exploit en attendant le match retour prévu samedi au stade olympique du 5 juillet d'Alger. Et on va terminer par du taekwondo. Fotigi, le championnat du monde démarre aujourd'hui. C'est à Bakou en Azerbaïdjan et le Mali y sera. Oui, le Mali participe à cette 26e édition donc de la Coupe du monde de taekwondo avec 9 athlètes. Il s'agit de Assat Mohamed Sibi, Maimouna Konaté, Iman Kanouté, Fanta Traoré, Youssouf Sempara, Bakar Kone, Mohamed Fofana, Ismaël Koulibaly et Noum Diawara. À Bakou, c'est lundi matin donc le programme de la première journée a commencé à 9h heure locale mais 5h temps universel. Deux athlètes maliens sont donc au programme des 64e de finale. Déjà ce matin, notre compatriote Maimouna Konaté, dans la catégorie des moins de 57 kg chez les dames, a perdu contre la Lituanienne Claudija Varona Vikuité. Mohamed Fofana, dans la catégorie donc des moins de 68 kg, vient également de perdre contre le Monténégrin Zinedine Bekaj, entré en matière difficile donc pour les jeunes athlètes maliens. Ces championnats du monde de taekwondo en Azerbaïdjan, c'est du 29 mai au 4 juin 2023 au Baku Crystal Hall. Courage donc à nos athlètes, c'était l'espoir et c'était Fotigi Tunkara en direct de ce studio. Merci Fotigi. Merci à vous également. Belle journée à vous. Pareillement. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Jour d'examen. Voilà, jour d'examen donc pour plus de 26 000 candidats au certificat d'aptitude professionnelle. Les épreuves du CAP démarrent ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Le coup d'envoi, c'est tout à l'heure à l'Institut Sonia Liber de Sogonico. Il sera donné par le ministre de l'Éducation nationale. Une démarche qui jette le discrédit sur l'institution militaire et porte atteinte à la présomption d'innocence. Réaction du gouvernement du Mali suite aux sanctions annoncées par les États-Unis contre deux officiers des forces armées maliennes. Sanctions relatives à la publication du rapport onusien sur Moura. L'actualité hors de nos frontières, le retour à Dakar d'Ousmane Sonko, ses partisans le disaient porté disparu hier. L'opposant a en effet été interpellé dans le sud du pays et ramené à Dakar. Le ministre de l'Intérieur a notamment invoqué le heurt avec les forces de l'ordre au cours de sa marche de la liberté. Une page se tourne au Nigeria. Muhammadu Buhari cède son fauteuil à Bola Ahmed Tinubu. Le nouveau président nigérian prête serment aujourd'hui à 71 ans. Celui qui avait été surnommé le faiseur de roi du fait de son immense influence politique accède à son tour au trône. Le grand format du lundi, c'est l'un des plus vieux quartiers de la capitale malienne. La création de Manyambougou en commune 6 du district de Bamako remonte à la période coloniale. Pas grand-chose ne reste cependant aujourd'hui de ce qui a fait l'identité et la renommée de ce quartier dans le temps. Et puis, les sports football, des prolongations pour la saison sportive. Elle se poursuivra jusqu'au 15 juillet prochain sur le terrain. La 20e journée du championnat national a pris fin hier. L'actualité sportive, c'est également la Coupe CAF avec la victoire hier de l'US SM d'Alger en finale de la compétition. En finale aller donc, les Algériens se sont imposés aux Tanzaniens de Young Africans 2-1. 7h passées de 33 minutes à Bamako, fin de ce journal. Réalisation, coordination, Bourama Traoré, mise en onde, Aliou Koulibaly, mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly, présentation, Yaya Konaté, à suivre les infos météo, suivi de votre rubrique, des avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Prenez soin de vous et des autres, passez une excellente journée. Au revoir. Thank you.